Mais bonjour et bienvenue à chacun et chacune. Ça fait tellement plaisir de vous voir là, presque comme il y a très 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 longtemps, avant qu'une certaine maladie ne s'abatte sur nous. On est presque revenu à la normale, pas tout à fait, on a encore nos masques, on n'est pas tout à fait le nombre qu'on voudrait être, mais ça commence à y ressembler. Alors soyez tous la bienvenue, les petits, les grands, les moyens, les tout petits, les beaucoup plus grands. Soyez accueillis ce matin pour notre BAM. Et du coup, je pense que ce qui s'impose, c'est de chanter la chanson du BAM. Alors, vous ne pouvez pas voir, mais là, il y a une petite fourmi. Non, mais, oh, mais incroyable. Comme elle va vite. Incroyable. Ah, puis alors, elle a l'air décidée hein, et déterminée. Je ne sais pas où elle va. Probablement à la fourmilière. Ou bien peut-être qu'elle va chercher quelque chose pour rapporter à la fourmilière. Oh, alors, elle cavale. C'est dingue. Peut-être qu'elle va rapporter de la nourriture ou une feuille. En tout cas, elle a l'air déterminée. Elle va droit au but. Ah, un morceau de fruit, peut-être. Il paraît que c'est grâce au message que les autres fourmis leur envoient que les fourmis savent où aller pour trouver de la nourriture ou quelque chose de bon pour la fourmilière. Et parfois, elles rapportent des choses qui font 10 fois, 20 fois, 100 fois leur poids. Mais elles y vont, hein. Parce que quand elles savent qu'il y a quelque chose de bon pour moi ou pour les autres fourmis,
J'y vais. Peut-être que les gens là qui sont ici, qui voyagent depuis plusieurs jours pour venir écouter Jésus, ils font un peu comme les fourmis. Ils sont là parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de bon à trouver en venant écouter Jésus, en s'approchant de Jésus. Oui, parce qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver là. Et ils sont nombreux, hein. Quand on les regarde, ça fait comme une rivière de visages. Bon, d'accord, là vous ne voyez pas une rivière, mais vrai, en vrai, ça fait une rivière de Jésus, parce que, de visage, pardon, parce qu'ils sont 4000 ou 5000. Mais vous imaginez, 4000 ou 5000, ça veut dire à peu près 20 fois plus de personnes que ce qu'il y a ici. Oui, j'ai prévu, pour vous montrer ce que ça fait 5000. J'ai compté. Il y en a 5000. Donc il y a 5000 personnes qui sont là. Ça donne le tournis, non? Ça donne le tournis. Et ces gens ont marché pendant des jours et des jours. Ils sont venus en famille avec des amis. Ils sont venus de loin ou d'un peu plus près. Et là, ils sont installés et en fait, ça fait un moment qu'ils voyagent. Alors les ventres commencent de gargouiller. On économise l'eau parce qu'on fait toujours attention à garder de l'eau. Mais ça fait bien longtemps que... Ouh. Non. Ouais. Il n'y a plus rien à manger. Pourtant, personne ne se plaint. Hein. Même les enfants ne disent rien. Parce que les enfants, ils savent bien que quand il y a quelque chose à manger, on leur donne d'abord à eux. Ça, tout le monde le sait. Quand il y a quelque chose, on donne d'abord aux enfants, puis ensuite aux parents. Ouais. Alors, Jésus qui voit tous ces gens qui sont venus pour s'approcher de lui, eh bien, Jésus, il est ému. Il est rempli d'amitié pour toutes ces personnes. Il comprend que ces gens sont venus chercher quelque chose d'important. Et eh bien, ça lui fait bouger le cœur. Ils sont inquiets. Jésus, tu voudrais pas dire à tous ces gens-là qui sont là d'aller dans les des villages environnants pour aller chercher à manger? Parce que je sais pas si tu sais, mais là, c'est un peu désert, il n'y a rien. Il n'y a rien pouvoir trouver à manger. Et nous, on a compté entre nous, même si on met tout notre argent ensemble, on pourra nourrir qu'une toute petite partie de cette immense foule de 5000 personnes. Alors tu te comprends, ce serait bien de leur dire d'aller ailleurs. Et Jésus, qui a l'habitude de dire des choses totalement inhabituelles pour ses disciples, leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Non, attends, Jésus, je crois que tu n'as pas bien compris. On t'a dit « Il n'y a rien ». Ici, c'est le désert, tu vois. Alors, il y a des plantes, elles ne sont pas toujours comestibles. Il y a des insectes, ils ne sont pas toujours comestibles. Et on va pouvoir nourrir tout le monde. On n'a pas assez de sous pour aller chercher à manger. Et qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Et Jésus leur dit, « Dites-moi ce que vous avez. » Mais... Allez. Le pauvre. Ouais, Emma, s'il te plaît, ramasse-le. Juste au moment
où on trouve enfin quelque chose. Alors voilà, Jésus, on a trouvé ce petit garçon et dans son panier, là, il y a 5 pains et 2 poissons. Je rappelle qu'ils sont 5 000. On fait quoi ? Merci. C'est ce que fait Jésus. Il remercie le petit garçon. Et ensuite, Jésus fait ce qu'il aime faire. Il prend soin des gens. Les disciples, asseyez les gens par rangées de 50. Ok. Ensuite, eh bien, on va manger, parce que s'il y a une chose que Jésus aimait faire, c'est manger avec des gens qu'il aimait bien. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, tous ces gens ont fait bouger son cœur et il les aime déjà d'une certaine manière. Alors, il prend le pain qui est dans le panier du petit garçon et comme chaque fois, avant de manger, il rend grâce à Dieu. Il remercie Dieu pour cette nourriture. 5 pains et 2 poissons. Et à ce moment-là, commence la distribution. 783, 927, 1250, 3642, 7285. Et les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Eh oui, il y a eu à manger pour tout le monde, pour chacune des 5 000 personnes. Et attendez, c'est pas fini. Il en est resté. Il en est resté de quoi remplir. Alors là, vous comptez avec moi. On y va. Emma, s'il te plaît, tu viens m'aider pour tenir tout ce qui reste. Attention, on a pu encore remplir. Allez, on compte. 12 paniers, parfaitement. Il est resté en plus 12 paniers. Bon, l'histoire ne dit pas si les gens en avaient assez de manger du pain et des poissons, mais le fait est que tout le monde a pu être rassasié. C'est drôlement bon quand on a le ventre plein et qu'on ne se fait pas de soucis pour savoir ce qu'on va manger. Je me demande si vous, vous vous demandez ce que vous allez manger à midi. Ouais, peut-être. Et je me demande si les gens qui étaient là étaient venus, ont reçu ce qu'ils étaient venus chercher. Parce qu'ils ont reçu à manger, mais est-ce que c'était à manger qu'ils venaient chercher? Non? T'as une idée de ce qu'ils venaient? Pardon? Pour voir Jésus. Alors, est-ce qu'ils ont vu Jésus? Certainement, oui. Et je me demande aussi si ils ont compris quelque chose de la joie d'être ensemble et la joie de voir que quelque chose de tout petit peut devenir tellement grand. Et je me demande aussi s'ils se sont rendus compte qu'il se passait là quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui montrait que Dieu s'était approché de Jésus et que Jésus
s'était approché de Dieu si proche qu'il pouvait faire l'incroyable. On appelle ça un miracle. En tout cas, je me demande si vous, vous auriez aimé être dans les 5000. Ouais ? Non ? Pourquoi t'aimes pas le poisson ? Non ? Il y a trop de monde. 5000, c'est beaucoup. En tout cas, ceux qui étaient présents là, ils se sont souvenus toute leur vie qu'il s'était passé quelque chose d'incroyable. Que ce jour-là, avec cette histoire de pain et de poisson, il y a eu un truc un peu mystérieux, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et après, quand ils se rencontraient, ils disaient « Hé, poisson !» Ça voulait dire « Hé, moi j'y étais au moment des poissons !» C'est pour ça qu'après, le poisson, c'est devenu le symbole des chrétiens. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un acrostiche ? Ouais, tu sais, Timéo ? Tu sais aussi ? Un mot, on prend les premières lettres d'un mot et avec, on écrit d'autres mots. Vous voyez, ici, c'est écrit école, écriture, calcul, orthographe, lecture, éducation. D'accord, j'ai pas pris le plus rigolo, mais au moins, j'étais sûre que vous saviez de quoi je parlais. Hein ? Alors, il se trouve que, ici, c'est la même chose. Ces lettres-là, en grec, ça signifie « poisson ». C'est normal si vous n'arrivez pas à lire. C'est du grec. Et avec chacune des lettres, les gens qui se disaient chrétiens, qui croyaient en Jésus, ont dit quelque chose de Jésus, comme un acrostiche, avec chacune de ces lettres. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, le poisson, c'est le symbole des chrétiens. Alors tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai demandé vos prénoms, parce que tout à l'heure, vous repartirez avec un poisson. D'un côté, c'est écrit Jésus, poisson, en grec. Et de l'autre côté, c'est écrit votre prénom. Mais avant ce moment-là, il faut encore qu'on parle du pain. Parce que le pain, aussi, c'est un symbole pour les chrétiens. Quand on mange du pain ensemble, on se souvient aussi qu'on est chrétien. Est-ce que vous vous souvenez, ceux qui étaient au BAM il y a très longtemps, on avait raconté qu'avant de mourir, Jésus avait partagé un dernier repas avec ses disciples. Ouais, vous vous souvenez de ça ? Et que, comme partager ce repas, ça fait partie des choses qu'il aimait faire. Quand il a eu terminé le repas, Jésus a pris du pain, du vin, et il a dit « Chaque fois que vous ferez ça, vous vous souviendrez de moi. » Et nous, on va faire ça aujourd'hui. On va ensemble prendre du pain et du vin. Non, Florence, pas du vin pour les enfants, voyons. Non, du jus de raisin. Ah, si tu n'en veux pas, tu n'es pas obligée. On va célébrer ce qu'on appelle la scène. On prend du pain et c'est une manière de dire on prend des forces ensemble. C'est comme si Jésus nous disait prenez des forces. Prenez des forces et rappelez-vous que je vous aime et que je veux vous donner du courage tous les jours
comme vous pouvez manger du pain tous les jours. Et on prend du jus de raisin. Et nous nous souvenons de Jésus qui nous dit « Rappelez-vous que la vie est plus forte que la mort. Nous sommes séparés, mais je vis en vous et vous vivez aussi en moi. Et un jour, tous, nous nous retrouverons ensemble, chez moi, dans la maison de Dieu, et nous partagerons ensemble le repas de la fête. » Alors quand nous buvons une gorgée de jus, nous nous rappelons que Jésus veut nous voir heureux, que nous ne sommes pas seuls puisqu'il est avec nous, que nous faisons partie d'une très grande famille, la nôtre ici, mais dans le monde entier, celles et ceux qui sont toujours réunis autour de sa table. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Et nous nous rappelons avec les mots d'une dame, pasteur, qui s'appelle Francine Carillo, que l'amour n'est pas fait pour être gardé. L'amour n'est pas fait pour être gardé, mais pour être partagé. Et plus il est partagé, plus il y en a pour chacun et pour tous. L'amour, c'est comme le pain que l'on rompt. Il y en a pour vous, et plus il y en a pour vous, plus il y en a pour tous. C'est un pain qui nous donne un nom et une place à chacun, à chacune, petits et grands. Un pain qui nous fait compagnons d'une même foi et d'une même espérance. Un pain qui nous rassemble autour d'une présence invisible et qui nous permet de le reconnaître à l'œuvre au milieu de nous.
Et maintenant, on va se retrouver dans le coin prière avec Emmanuel. Voilà, vous vous souvenez des Pères la prière ? Oui ? Viens, viens, viens. Viens ici. Tu peux rester avec ta sœur ou vous pouvez venir toutes les deux ici. Hein ? Elle veut être sur le coussin rouge et toi, on peut s'accroupir. Toi, tu lui laisses tout le temps la place. C'est super. Ben justement, tu vois, on va commencer par prier pour ceux qui aiment partager, ceux qui veulent partager. Et ceux qui veulent partager, ben tu vois, par exemple, toi, tu as laissé ton coussin à ta sœur. Ben, peut-être que quelqu'un a déjà partagé avec toi et tu as envie de dire merci pour quelque chose que tu as reçu de quelqu'un qui a déjà partagé avec toi. Alors tu peux prendre un petit galet rouge comme ça, parce que tu penses à lui et tu veux lui dire merci, ou à elle. D'accord ? Et ça c'est pour tout le monde. Quelqu'un qui a déjà partagé avec moi et à qui je veux dire merci, dans son cœur. C'est pas la peine de le dire, dans son cœur. Et puis, peut-être que comme ta sœur, elle avait besoin de ton coussin. Ouais. Donc il y a aussi d'autres enfants, ou parfois ce sont des parents, ou ce sont des copains, des copines qui ont besoin de moi, qui ont besoin que je leur donne quelque chose. Vous en connaissez ? Des gens qui ont besoin de vous, à qui vous pouvez donner quelque chose ? Ça vous est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un ? Je suis sûr. Donc, vous pensez à cette personne qui a peut-être besoin de vous, et vous prenez un petit caillou jaune. Et vous pensez à elle très fort, à cette personne. D'accord ? Et puis, le bleu, c'est le ciel. Hein. Le bleu, c'est le ciel, mais c'est aussi l'eau. C'est ce qui ne finit pas, comme Dieu. Dieu, c'est ce qui ne finit pas. C'est celui qui multiplie et qui est toujours là. Alors, on peut penser à Dieu parce que Dieu, c'est celui qui nous permet de partager et de penser aussi aux autres, à tout ce qui ne finit pas. D'accord ? Alors vous pouvez prendre l'habit rouge. Vous vous souvenez pourquoi ? C'est l'habit du partage. Celle-ci, c'est ceux qui ont besoin de moi. Et puis celle-ci, c'est pour une pensée pour Dieu. Alors, comme vous êtes très très nombreux, on va commencer avec... C'est quoi ton prénom ? Victoria. Alors, on va commencer avec Victoria. Et ensuite, c'est Édouard, Simon, etc., etc. Hein ? Ma sœur, elle s'appelle Camille. Ta sœur, elle s'appelle Camille. D'accord. Eh bien, Camille, elle va passer... Camille. Oh là là, mais excuse-moi. Mais tu sais, je vieillis, j'ai des problèmes d'audition, moi. Alors, il me manque quelque chose ? Mais non. Mais non. Il me manque une grande vase. Ah ! Je me disais, mais qui m'a piqué la vasque ? Alors, vous allez vers Florence, d'accord, avec les billes. Et on commence avec toi. Tu veux me poser une question ? On peut aussi mettre l'autre verre, mais parce qu'on ne m'a pas demandé de le mettre, alors je ne l'ai pas mis. Tu sais, moi, je suis très obéissant. Mais on peut le mettre si tu veux. Si ça, c'est pour une pensée pour, à qui j'ai pas pensé. D'accord ? Et ça, tu peux prendre aussi. D'accord ? Voilà. Alors, on y va ? On commence avec toi ? Et ensuite, tu vas vers Florence et tu déposes tes billes en silence dans la grande vasque que Florence tient. Voilà. Vas-y, à toi, Édouard, après. Et on continue comme ça. À toi, Édouard. À toi, Simon. Voilà. Tu t'appelles comment ? Léandre. Léandre. Voilà. On y va. Et toi, tu t'appelles comment ? Clémence. Clémence. Il y a aussi les blancs, hein. Vous pouvez prendre les blancs si vous voulez. Et toi, tu t'appelles comment ? Adèle. Adèle.
Qu'est-ce que vous êtes grand maintenant ? Vous voulez venir, les filles qui sont debout, là ? Tu peux prendre une bille jaune, c'est tout. Super. À toi. Vous pouvez passer vers Emma qui vous donne la prière du verre à prière que vous avez à la maison. Et toi, tu t'appelles comment ? Augustin. Dieu entend tes prières, Esther. Et pour finir le temps de prière, je vais vous lire la prière qu'on vous a donnée, que vous pouvez rajouter à vos verres à prière. Et si vous n'avez pas encore votre verre à prière qui ressemble à celui-ci, vous pouvez venir vers moi à la fin, d'accord ? Et puis on vous en donnera un. Alors, maintenant je vais vous lire la prière. Je t'offre, Seigneur, ce que je suis. Mon intelligence, ma bonté, mon désir de bien faire, les petits riens qui font ma journée, mes grands moments d'amour et d'amitié. Ils sont pour toi, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Et toutes les prières que vous avez faites dans votre cœur, dans votre tête, elles retournent vers Dieu. Elles vont vers Dieu, dans le cœur de Dieu. On va te suivre. Il faut se lever.
Au revoir, mais je vais quand même continuer à venir pour le plaisir. Voilà, ça c'est sûr. Je disais, j'ai quand même envie que nous te remercions pour tout ce temps qu'on a passé ensemble et tout ce qu'on a pu mettre grâce à ton énergie, ton amitié et ta volonté qu'on ouvre des choses pour les enfants comme vous êtes vous ici aujourd'hui. Alors je propose que l'on fasse un grand applaudissement à Dieu pour Emmanuel. Attention, c'est parti. Voilà, alors longue vie au BAM, longue vie à celles et ceux qui vont continuer. Et puis on est tellement content de pouvoir bientôt tous se démasquer et de pouvoir reprendre ces animations comme on aimait les faire. Tu les appelles démasquer. Voilà. Alors on va vous appeler pour que vous receviez votre poisson. Merci Emmanuel. Alors Maxime. Esther. Gabriel. Il faut que vous veniez, hein, parce que vous êtes nombreux. Charlotte. Léandre. Édouard. Dahlia. Thomas. Anatole. Alexis. Thomas, t'es là, Thomas. Bah, prends. Anatole, c'est toi ? Ouais, mais il est où ton frère ? Tom, toi, t'es Adèle. Ouais. Thomas, ouais. Victoria. Hugo. Amélie. Théophile. Louise. Enzo. Où il va amener son poisson à ta soeur. Héloïse. Ise, Timéo, Simon, Adrien, Léna, Madeleine, Paul, Camille, Inès, Louis, Caroline. Dans cette tête. Louis, ça c'est toi. Florence. Et Augustin. Clémence. Et Florian. Tu peux donner à son petit frère. Voilà. Augustin. Ah, alors voilà, on vous souhaite à tous une bonne suite. Pour vous dire qu'on se retrouve pour les BAM l'année prochaine, le 16 octobre. Vous aurez bien sûr plein d'informations d'ici là, mais rendez-vous déjà le 16 octobre.